Si tu t'es jamais demandé pourquoi on pouvait manger de la viande de mouton et des œufs de poule et qu'on pouvait pas manger de la viande de singe et des œufs de serpent, parce que pour toi c'est normal de manger certaines espèces et pas d'autres, d'abord pose-toi la question. Ensuite, tu es spéciste. Le spécisme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait de considérer qu'une espèce est supérieure à une autre. C'est-à-dire, si tu dis j'aime les animaux et que tu en manges, tu es automatiquement spéciste. Et même si tu n'aimes pas les animaux et que tu n'en manges que certains, tu es spéciste aussi. Parce que si t'es triste quand Shiva meurt dans Walking Dead et qu'en regardant l'épisode tu mangeais des nuggets, c'est qu'il y a un souci. Ou encore si tu trouves que c'est normal de traiter certaines espèces comme ça et d'en traiter d'autres comme ça, c'est qu'il y a un truc qui cloche parce que c'est pas vraiment compatible. Pour ceux qui parlent anglais, je vais mettre le lien d'une vidéo qui m'a assez fait réfléchir et qui est très intéressante. Et sinon, franchement, faut se poser la question, pourquoi est-ce que j'accepte de manger certaines espèces, mais que je ne cautionnerai jamais d'en manger d'autres? Parce que c'est pas vraiment logique.